Bonsoir à tous, c'est Alphabet. Dans le dernier épisode, j'espère que vous allez bien. Et dans le dernier épisode, ce qu'on avait fait, nous, c'était de faire un shakeator. On était parti ici, et maintenant, voilà, on devait rejoindre Marcia dans le bureau de Cormier. Marcia, qui est une membre du groupe Galaxy, qui est coiffeuse, apparemment, et qui, voilà, elle est coiffeuse. On sait pas ce qu'elle fout là, on sait pas ce qu'elle a besoin, mais bon, c'est juste qu'elle est là, quoi. Donc, c'est parti, on va aller la rejoindre, et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? C'est zoom des zooms. On va aller voir ce qu'il faut. Hop, 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 hop. Et chou. Oh là là, le dash. Merveilleux. Il est au téléphone? Ah non. Je vois. Oursa King aussi. Mais alors, les Pokémon Monarques ne sont pas les seuls à... Les seuls à pouvoir devenir enragés. Adamantha et Nacharan ne m'ont rien dit à ce sujet. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quoi qu'en soit, je te remercie de m'avoir informé de ces événements, Marcia. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en charger et la gardienne d'Oursa King ne veut pas répondre. Elle veut pas m'écouter. Au final, je peux compter que sur vous. La gardienne d'Oursa King? La Gena du clan Perle? Cela a une vraie tête de pioche. Enfin, on va dire que parmi les gardiens, c'est elle la plus attachée aux traditions. Cette mission est pour toi, Alphragor. Je délègue beaucoup trop facilement. Rends-toi au Marais Karma pour faire des recherches sur Oursa King. N'hésite pas à employer la force si nécessaire. D'accord. Bon bah, nouvelle zone apparemment. Ta prochaine mission est au Marais Karma. Les Pokémon sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. C'est une contrée hostile avec des vallées escarpées et des vertigineuses falaises. Pour te rendre dans cette nouvelle zone, tu dois atteindre le rang 2 étoiles ou plus. Ah merde. Pour cela, effectue des tâches Pokédex afin d'en comprendre, d'en compléter les pages. En attrapant des Pokémon par exemple. On va partir sur une petite session, hein. Plus faire un nombre de tâches, j'ai speedrun le jeu, je suis Keblo. Bon, on va faire let's go into les zones. Hop, 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 hop. T'as une quête pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, je suis porté. Alors, en train de cette vision fut un véritable choc pour moi, j'ai l'impression de voir le futur. C'est une situation possible, l'apparence du futuriste c'est aussi envers artiste aussi. Tu as un grand passé de mode. Tout à fait. Ouais, ce qui fait plusieurs temps, j'ai pour mission de faire ce village, un modèle de tendance et d'élégance, vois-tu. Rien que plusieurs personnes de goût comme toi m'assistent à l'étude de la mode. Pour ça, j'ai une mission. Chercher un être que tu es. J'entends dire que l'aspect des hippopotames de Marie-Carmen était différent de celui de leur mode femelle. Si j'avais la possibilité de vivre la différence de plus près, je serais certainement plus inspiré. Mais je peux pas y aller. Bon. Bon, alors toi, est-ce que t'as une mission intéressante, toi? Est-ce que t'as un truc à me filer? Bon, si un Pokémon me court après, une baie au rang devrait suffire à détruire son attention, mais j'ai le temps de fuir. Ok, lui, il veut que je file du stuff, obligé. Lui, je veux me rendre dans les plaines pour ramasser des galets, mais j'ai plus beaucoup de baies au rang. La sœur et PV, en gros, les baies sont indispensables. C'était en jeu d'aller en chercher 5 pour moi. On est 4, super. Alors, je vais aller chercher des... Là, je fais attention, je vais aller ici. Souhaites-tu aller bivouac des plaines? J'allais au bivouac des plaines et je vais partir à l'exploration à des endroits où je ne suis pas encore allé. Pour des raisons évidentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, c'est un bilan, hein, évidemment, et on va partir la map. Alors, c'est quoi ça? Objet perdu de Mila. C'est quoi ça? Ah, mais c'est énorme. La zone est gigantesque. Tunnel de fer, ça va m'intéresser. Objet perdu de Mila. Objet perdu de Regina. Ah, tu sais quoi, je vais aller là-bas. Je vais chercher cet objet perdu, je sais pas trop ce que c'est. Et comme ça, ça me laissera l'occasion de voir des Pokémon. Voilà. Et en même temps, ça va me perplexer un peu, donc c'est pas plus mal. Attends, quoi, il s'est joué à la bataille? What? Attends, je veux partir. What? Attends, les deux en même temps? Ok, bon, lui il est mort. Ah, j'apprends vraiment deux Lixi en même temps? Incroyable! Bon, j'ai pas de dégâts. Oh non, je suis paralysé. Aïe. J'avais mis bien vite au bivouac, hein, frère. Style puissant! Défonce-lui la gueule. Voilà!
vaincu. Plus 5 dans les tâches. Merveilleux. Allez, hop. Il y a des quêtes là, j'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il y a comme quête? C'est le cas par année, hein, ne fais pas ça en moi. Enfin, que veux-tu faire? Je vais me reposer. Jusqu'à la nuit tombée. Allez, hop. Je trouve que la nuit, c'est mieux. Pour moi, la nuit, it's better. La nuit est better. Vulcan se sent revigoré, ok. Alors ça, c'est la ville, et ça, c'est quelqu'un qui a besoin de quête pour moi. Non, ce n'est pas ça. Ok, elle veut un Krixi, un Biocric. Ah, pardon, moi, j'avais pas remarqué sa présence, corps des chercheurs. J'aimerais savoir plus qu'il dit, je sais. J'en ai un des Krixi, c'est bon. Ça va pas, je peux quitter complète du Krixi, d'accord. Il faut que j'aille choper des Krixi. Ça, je connais la zone, il n'y a pas de Krixi par là, donc je suis... Allez, là où je voulais aller de base. Alors, c'est pas des Béorans, ça, mais bon. Ah si, c'est des Béorans. Merde. Hop là, fight avec Krixi. Par contre, ouais, du coup, j'en affronte deux encore. La mèche. What? Il est vite. Aïe. Ok, lui m'observe. Vas-y, nique lui sa mère. C'est bon, il va mourir d'une brûlure, lui. Éclair. Aïe. Oh, mais merde. Je suis encore paralysé. J'évite l'attaque. Il va mourir d'une brûlure, lui. Donc... pas sympa. Et je vais capturer l'autre. Comme ça. Ça m'avance dans le Pokédex. C'est trop bien l'avancée du Pokédex comme ça. Vous avez attrapé l'X. Et ça c'est merveilleux. C'est bien d'attraper. Ok, il faudrait que j'en attrape encore un. Je veux me reposer. Un petit moment, comme ça je change pas la météo. De toute façon, j'ai pas envie de faire trop de trucs non plus. Juste vraiment. Oh, bon, on y va, hein, quoi. Tap, 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 tap. Ils sont pas de retour. Ok, il y a un truc rare là. Attends, c'était quoi ça? Attends, j'ai cru voir un Pokémon chelou là en face. Ok, ça va. Regarde, hop, ça c'est fait. Ah, il y a un Nixi Baron. What? Attends, frère. Attends, un Nixi Baron? Je savais pas qu'il pouvait y avoir des petites formes en baron. Let's go, bagarre! Niveau 20, putain c'est fort que j'affronte jusqu'à maintenant. On va faire une flamèche normale du coup. Je sais pas ce que je sais pas. Oh putain, il est vite. Oh il perd. Oh il fait mal. Comment ça il a tapé deux fois? Pas fait exprès. Mais bâtard. Il va être dangereux lui. Il va être dangereux de ouf. Il va être tarpin dangereux. Attends, mais il peut évoluer déjà là, non? Mais il esquive tout. Il esquive toutes mes attaques. C'est indécent, frère. What? Il esquive trois fois. Mais... et ils sont aveugles ou quoi les Pokémon là? Ah merci, là ça tape. Que je lui fais mal. Ça va. Ah, il est brouillé. Ah, c'est cool ça. En vrai, c'est cool. Comme ça, pour éclair, ça me fera beaucoup moins mal. J'ai pas envie d'envoyer tout de suite le Castorno. Je vais envoyer mon propre Luxio, je pense. Ouais, je vais envoyer mon propre Luxio. Parce que si je peux capturer le Lixi Baron, hop, ça me fait un deuxième baron dans la team. Qui m'attaque hein, en vrai. Kali. Ça le tuera jamais. Voilà. Et là, on part sur une Pokéball. Il n'a pas été surpris, donc voilà.
Et ça va bien avancer la poche Pokédex de capturer un baron. Allez, vas-y. Ah merde, chier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il va mettre 400. On peut, mais il est super fort lui, il a plein de capacités. En quoi, le problème c'est que je risque de crever assez vite. Eh ouais, faut que je capture, allez. Faut que ça passe. Allez, faut que ça passe. Ah merde. Explose sa colère. Oh, il s'est boosté. Oh, il s'est boosté de malade. Style puissant. Ah bah, il me one shot. Hein. Il me tue alors. Ouais, voilà, il me tue. Je vais envoyer Castorando pour le tanker. Ah, il est plus brûlé. Ah, c'est bien ça. Il est plus brûlé. Je vais envoyer Tourvol du coup. Il est plus brûlé, j'ai envoyé juste les Tourvol. J'aimerais bien le capturer. Hein. Bah, je voulais prendre la suite d'un malade. Un baiser. Ouais. C'est un malade. Et c'est un fada lui. C'est un ouf. Allez, hop. Voilà. Ah, tout va bien. Hop. Oh, la team est à moitié mort. Moumon XP, merveilleux. Fois où ça a utilisé Flamèche. Merde. Ah merde, il est KO. Vas-y, bagarre. Grosse bagarre. Oh ouais, bagarre. Hein. À la bagarre, bah, elle est pas légit, frère. Je vais le soulever. Mais. Ah, grand fou. Mais frère, ils sont aveugles ou quoi? Mais c'est honteux, frère. Il y a toute la vie qui esquive. Toute la vie, ils esquivent tout. C'est honteux, frère. Voilà, merci, roulade. Pardon, d'où ça le tue pas? J'ai 15 niveaux d'avance, frère. Merci, Kulo. Un Kulixi. Bah, évidemment que je le dis. Ah, ça voulait fort. Ça, je prends. Alors, est-ce qu'il y aurait pas des trucs sympas par là? Iconotor, ouais. Tiens, on sait, je pense, sur la page de Iconotor. Ah, il y a une. Alors lui je le sens pas. Voilà. Par contre ça je le sens. Ça je l'ai vu. Et ça je peux pas y aller. Ah si, comme ça. Touché. Et c'est absorbé. Ah il me dit il en reste combien en plus. Vas-y, c'est trop simple. Attention je pourrais le fight hein le. Ah mais bon. Okay, avec ça je complète ma quête moi. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs sympas? Buste boué? Buste boué. C'est quoi ma touche Pokédex déjà? Ah voilà, Pokédex. Krixi. C'est vrai que j'allais faire la page de Krixi. Pour la quête. Spécimen attrapé sans vous faire opérer. Spécimen vaincu. Fois où vous avez... Ouais, Buste boué. J'en suis déjà assez. Après, je pense que Mustebouet, c'est pas suffisant. Ah merde. Bon, on va balancer des bois, là. Ah merde, il y en a deux. On va balancer des balles tout de suite. Alors, on perd pas le nord, juste on balance des balles. Ça c'est fait, facile. Il m'observe. Ah tiens, toi c'est le même sort, frérot. Et hop, dans la balle. Allez, facile. Je vais attraper un Pokémon. Merde. Je suis mal attrapé. Ah, faudrait que j'en capture encore un. Ah non, bah c'est bon, voilà. C'est fait. Tep, 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 tep. Batman. Enfin la monture, c'est en pratique. Des muscles loués, je m'en fous.
Ok, le pont. Ok, là pour l'instant je reconnais le pont. Je vais peut-être aller me faire la fiche de racaillou. Ah non, ah, les Krixi, bah parfait. Ta mère. Ouais, oh, vas-y, je balance tout à côté. Yes. Dans des Krixi. Ah, là-bas. M'a pas vu. Pas vu. Voilà. C'est capturé. Allez, merveilleux ça. Hop. Je capture tout ce qui bouge. Il y a plus de. Il y en a plus. Ça est tourmi donc je m'en fous. Les baies, je prends. Hop. Castorno. Merci, frérot. Moi, ce que je veux, c'est retourner bah, là-bas. Et non, comment je. Comment je fais déjà? Ça, voilà. Bivouac, t'es pleine. Je vais aller là-bas. Parce que je me dis que potentiellement, j'ai assez. Oui, je regarde ce que j'ai eu. Des élixirs. Ah oui, j'ai l'élixir 19, j'ai oublié. Oh, la thune. Un Pokémon baron attrapé, la thune. Allez, file-moi les résultats. Alors, j'ai complété l'élixir, j'ai complété Musubu. Et Krixi, ça a bien avancé. 140 points. Ah non, putain. Oh, il m'en a vraiment que 40 points. Va tu faire maintenant? Bah, je vais continuer. Clairement, ah oui, par contre, je vais me reposer. Hop, se reposer. Un petit moment. Et je vais aller faire ma capture bah dans la forêt. Hein. Là, ça se sent revigoré. Alors, tiens, toi, fais-moi ma team. Voir mes Pokémon. Et où le Lixi? C'est pas le baron. C'est pas le baron. Évoluer là, non, totalement évoluer, ne pas intervenir. Évolue, voilà le Luxio Baron. Là, trop de puissance. Je vais avoir un Luxio Baron, trop bien. Uli, Uli Nonada, tap 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 tap. Est-ce que c'est suffisant? Oui, voilà, pilacé. Alors je veux retourner au village. Parce que je veux quand même continuer un peu l'histoire. Limite je farmerai un peu en off pour compléter le Pokédex. Comme ça, ça me fera un peu de quoi jouer là sans trop me faire chier. Ah oui, il y a l'autre con là qui fait CB. T'as oublié, frère. Ça, 35, ouais, oui, tiens. Un cadeau, prends tes B. 5B. J'inverse avec plaisir. Oui, vas-y. Ah, j'en sais rien, j'ai remercié des galets. Ah, il m'a fait augmenter mon 5. Ah, il m'a vidé des. Ok, non, il m'a fait un rappel. J'ai failli invoquer Serbilin, frère. J'étais vraiment en mode, eh, je vais invoquer le cerf. Le bon gros cerf. Let's go dans le marais. On y va. Ah, j'aurais rien fait du tout. Et hop. Chou. Chou. Bonjour, meuf. Bien sûr, des tâches Pokédex. Oui, j'ai pillé assez. On sait que j'ai assez. On sait que j'ai assez. Donne-moi le titre. J'ai reconnu tes projets, tu as bien mis une étoile supplémentaire. Ouais, let's go là. Bien.
en augmentant la puissance de ma team, Washi, ça passe. J'ai remis mon 2 étoiles, félicitations. Vous pouvez utiliser des plumes balles. De plus, les plumes jusqu'au niveau 30. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous serez vos rapports de recherche. Ainsi, ce sont des méthodes qui permettent de collectionner des objets. Les craft des plumes, noix grumes et un galet azur, qu'ils sont sans doute dans le marais. PP, potion, plante PP et potion. Ok, sera promu lorsque le Pokémon sera suffisamment avancé au travail. Et par actuel, tu devrais pouvoir explorer le marais Carmin. Max, c'est ta prochaine mission. Va aux ruines Bon Vivre où se trouve l'Agena Ayan Dorsa King. Ok, je sais pas où c'est, je sais pas ce que c'est, mais on va y aller. Ma team est à peu près au niveau 20, donc c'est à peu près le niveau maximal que je pouvais avoir. Je sais pas si le jeu était tourné pour que j'ai à peu près ce score là. Ah, ça a bel et bien débloqué parce que maintenant j'ai Lucia qui m'attend. Donc ça c'est good. C'est vrai que faut que je passe une bonne minute. Tiens Alfragor, je cherchais à affronter quelqu'un et tu vois là, c'est un signe non? Oh, c'est vrai que j'ai rien, j'ai à faire, MDR. Là va m'aider à renforcer mes liens avec mon Pikachu. Ah j'avais oublié que t'avais un Pikachu. Il sait d'accord, le chargeur veut se battre. Ça sera peut-être ça en miniature si j'ai rien dit. Oh, mais elle est junior. C'est quoi cette team? Ah merde, alors. Par contre. Alors, Cassandro, est-ce que tu peux la respecter un minimum, s'il te plaît? T'as pas envie? Bon, non, on va pas la respecter alors. Elle nous respecte pas! Mais. Oh oui, yes. C'est aussi rapide, ça va le tuer quand même. C'est rapide, quickly style. Il est mort. L'incubim junior, aha. Ah ouais, le Pikachu, je suppose. Pikachu. Pika. Oh. Ah, il t'habite. Non, il... Oh, putain, il a vaincu Gastano. Et il savait que de zéro, frère. Ça avait beau être un baron, Alors, par contre, j'ai juste de me rendre compte, mais il est plus haut niveau que tous les Pokémon de ma team. Donc ça va être chiant. Genre, un peu. Faut que j'utilise groupe feu à force. Hein. Sinon, je vais jamais le débloquer en supérieur. Hein. Oh, stylé! Oh, l'animation de bâtard. Oh oui! Éclair. Ça va, je fais du attaque et c'est bon. Ah merde, il va peut-être taper avant. Oh, c'est bon. Je vais attaque. C'est bon, c'est gagné. Au moins, Ferrisson il gagne là, c'est clean. Combat terminé. J'ai pas pu empêcher d'être admiratif quand tes Pokémon lancer leurs attaques. Allez, puissance, mes gueules. Allez, niveau supérieur. Oh, capa, c'est bon, pardon. Mais j'ai déjà 4 capa, ça marche comment? Oh, je sens que mon Pikachu va m'en vouloir. Merci pour ce duel, pour te remercier, voilà une nouvelle méthode de confection. Oh, yam, donne. Solution furtive. Bébou et plantes répulsives et encore des trucs que j'ai pas. Sinon, je fais des recherches sur le sujet des distorsions spatio-temporelles. T'as entendu parler, elles se sont produites récemment ici et là. Certes, on y trouve de très beaux objets, mais elles renferment aussi beaucoup de Pokémon très puissants. Pas de sens si t'essaies de rentrer dans une d'entre elles. À présent, rendez-nous au bivouac du marais. Attends, mais tu m'intéresses, la meuf. Yes, merci par contre, t'as soigné Pokémon, donc tu m'arrêtes. Attends, mais elle m'intéresse, l'autre. Je sais pas si c'est une zone ça. Je savais que ça c'est une zone. Ah oui, là où il y a 10 lâches c'est des zones je pense. Donc ça c'est une zone. Ça c'est une zone, ça c'est une zone, et ça c'est une zone. Ça va, il y a encore pas mal de trucs. Le jeu est grand, hein. Le jeu est grand, ça va être cool. Que là, meuble la zone de base, j'ai pas fini d'explorer. Hein, donc. En vrai, il est cool là. Hein. Le jeu il est bien. C'est un marécage. Bon, c'est un marais avec des textures de mer, donc on dirait juste une terre moche. Voici le marais Carmin. Ici, on trouve entre autres des Pokémon qui utilisent du poison. Oh là. J'ai entendu dire que tu devais te rendre aux ruines Bon Vivre, c'est ça? C'est par là? Ok, direction la montagne. Ah oui, je les vois, c'est au loin. Ça va, c'est à côté, c'est bien, et je suis en 2 minutes. Ces distorsions spatio-temporelles sont vraiment bien étranges. On ne sait jamais ni... Ou ni quand l'une d'elles va se produire. Ce serait bien pratique si ça s'affichait sur ta carte. Moi, je continue mes recherches dans le marais. C'est sûr que c'est pas surtout pour la licence. Ce sont des endroits dangereux où apparaissent de puissants Pokémon. Si vous avez la lettre, vous aurez
J'ai trouvé des Pokémon et des objets particulièrement rares. Oh, je vais tester ça. Tiens, vos recherches avec entrain, mais attention quand même, pas trop en faire. Et si jamais les Pokémon sauvages vous semblent trop forts, je vous conseille d'aller au dojo de Belila afin d'apprendre de capacités puissantes. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est. Là, toi, c'est, tu m'as dit que tu avais une capacité. Attends, j'ai sûrement une capacité. Aéropique. Force. À la place de quoi je mettrais aéropique? Attends, aéropique, ça me permet de fight quoi? Le plante, je le tue déjà. Le combat, ça c'est cool. Combat, c'est cool. Insecte, je le fais déjà. Ouais, pour l'instant, ça fait pas grand chose. Donc, ouais, je veux quitter le. Pour l'instant, j'ai pas besoin de la prendre. Donc... Alors, par contre, ouais. Alors là, par contre, je vais me faire laisse faire sur les balles. Je vais capturer tout ce qui bouge. Actuellement, je capture absolument tout ce qui bouge. C'est quoi ces bruits là? Il y a un rousse bouton. Le bâtard. Oh, mais j'ai un shrag. Hop, rose. Ah, mais il était dans le truc et. Un gros mouton. Ça devrait le one shot, je pense. Yes, gros mouton, c'est fait. Ah, oh, mortante. C'est pas mal ça. Ouais, je dis, c'est pas mal. Hein. Ah, il m'a vu. Dans ta bouche, le mortante. Portant niveau, ok, pas mal. Roue de feu, classique. Oh yes, pile poil, merveilleux. Des morsures. On va lancer la balle, hein, clairement. Hop là, Pokémon, il est dans le rouge. Je devrais pouvoir le capturer facilement, non? Alors, Portant, c'est pas le Pokémon que je préfère, un type plante, mais il est pas mauvais, hein, je trouve. Ouais, il est ici, si, il est pas incroyablement fort, mais il est pas moche. Feuille ronde. Ah, il y a une machine feuille ronde. C'est quoi ça, un truc à récupérer? Non, du décor. Pourquoi vous attisez rouge feu? Merveilleux. Alors, pour l'instant, j'ai pas grand chose. En rose mouton, on va retenter les psychopouac. Crixy, ouais. Sans rien de bien folichon. Et paras, ouais, mais il y en a aussi dans la zone d'avant. Donc. Des choses intéressantes peuvent se sur... Oh, Méocrique. On n'est pas des Méocriques. Il est supérieur en cassant un caillou, MDR. Chou. Ça passe, c'est beau, hein, mais bon, je crois pas. Oh la vache, ah, il a été vite lui. Melocric niveau 17. Melocric, le Pokémon Melocric. Oh, oh mais parfait. Il va peut-être mourir. Non, il va pas mourir. Il a PV pour mourir. C'est bien ce que je pensais. La balle. Hop. Et c'est parti. Il est dans le rouge, je devrais pouvoir le capturer. Allez. Yes, Melocric attrapé. C'est le premier de ma liste, donc ça fait une nouvelle petite Pokédex. Oh, ça fait des feuilles rondes. Je prends. Alors, je devais compléter la fiche de ce truc, donc. Ah, il s'est barré! Énorme, j'aurais pas cru. Je vais attraper un deuxième portante, ce sera pas mal. Oh là là, pris par surprise! Comme ça, si je peux lui mettre une roue de feu suivie d'une Pokéball sans qu'il fasse rien, moi ça m'arrange. Surprise, il ne peut pas bouger. Merveilleux, allez hop, la balle. Toi, allez dans la balle. Et là, c'est cool. Un. Et deux. Merveilleux, second portant attrapé, ça c'est cool. Qui me file des feuilles rondes à chaque fois? Ah, ça blesse pas. Yes, je prends la puissance de ma fiche de furisson. Je vais peut-être me soigner.
Ouais, j'ai des BO rang, donc hop, le soin. Hein. Le soin, le soin. T'as un PV très sérieux. Pas de problème. Caillou est fort. Permet d'augmenter les mouvements d'un Pokémon si se trouve. Ah, c'est nouveau ça. Le sable est fort. Je vais faire sur Furisson du coup. Je vais augmenter attaque spéciale. Attaque spéciale. Vitesse. J'ai envie d'augmenter lui. Oh ouais, mais lui, c'est un malade, frère. La vitesse. Voilà, hop, et je vais mettre le caillou effort sur attaque spéciale. Ah, mais non, mais. Ah, ça va. Ok, il y a une meuf avec un castorno. Dernière nouvelle, je suis avantagé, donc. Ok. Alors, tu es qui, toi? Quel genre de personnage tu es? Un genre dépressif, apparemment. Oh, c'est vieille. Je m'appelle Akena, je suis l'une des gardiennes du clan Perle. Tiens, tiens, la flûte céleste. Tu es le garçon qui est tombé de la faille spatio-temporelle, n'est-ce pas? Oui, oui, mamie. Je vois. J'ai entendu parler de toi, je sais que tu as apaisé le roi Achécateur. Tu as rendu service à bien de gens, mais je me demande s'il n'y avait pas une autre alternative. Tout ce que tu as fait au fond, c'est utiliser la force brute pour le faire taire, non? En plus de ça, tu attrapes des Pokémon à tort et à travers avec ces espèces de balles. Ça, par contre, c'est vrai. Nous n'avons pas besoin des inventions du groupe Galaxy. Il y a aussi cette fille, Marcia. Elle m'a offert son aide, mais j'ai refusé, car je n'en ai pas non plus besoin. De l'aide du clan Diamant. Ah, ils sont vraiment pas... Fiche le camp maintenant, j'ai affaire. Et mémé! Il y a une pâture niquée derrière toi. Dis-moi, le Fragor, tu accepterais de te battre contre moi? J'aimerais me mesurer à celui qui a réussi à apaiser un roi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? En combattant contre toi, je pourrais peut-être me faire une idée de la puissance des monarques. Alors, héros. Percupio, le rival. Ouais, là, le festival du combat. Le groupe Ginkgo. Togepi encore? Ok. Pas un Pokémon actuellement, c'est Luxio. Ah, c'est Luxio. Voilà, t'es mal à la taille du Kleps. Il a qu'un seul poké? Il en a deux. Il a deux pokés. Qu'est-ce qu'il est badass. Vas-y, morsure. Désolé, mais vous aussi. C'est pas très efficace. Ah, il est typé. Bah oui, je suis cool. Style quickly style. Rempli baiser. Les attaques, elles sont belles. Par contre, il est ultra mal. On en parle des dégâts qui me claquent. Il est trop beau, frère. Ah merde, alors par contre. Ah, ça c'est bien. Il est trop bien. Ah bah ça fait déjà plus de dégâts. Style puissant. Éclair. Faut vraiment que je pexe, hein, parce que là les Pokémon, ils me démontent, frère. Faut retirer son petit. Oh. Le retire pour... Un Greek Note! Oh le bâtard! En plus, il y a pitié, il m'a démonté. Par contre, je sais qui je vais envoyer. Hein. T'as un Greek Note, frérot. J'ai vent glace. Ça part sur un one shot. Hein. Le one shot est en vie. Le one shot est clairement en vie, frère. Mais frère, style puissant direct. Ça part sur un méga one shot. Vent glace. Voilà. Ça part sur un cassage de gueule en règle. Cassage de gueule en règle. Apparemment, c'est marrant qu'on reçoive d'XP à la fin du combat. Rempli baiser. Ah ouais, mais il régène tellement. Il régène Tarpin. Le Togepi va être tellement dangereux. Oh, il est full vie. What the heck. Il est paralysé, hein, on rappelle. Ah, je sais, j'ai tapé mes meilleures roulades. Roulade, ça peut aller le chercher. Hein. Ah oui, ça peut aller le chercher, clairement. Fais plénitude, frère. Pas rempli baiser. Ah, merde. Oh la vache. Fais si mal. Oh, les furissons, l'espoir du fleuron de ma team.
Roue de feu, mon pote. Togepi, il est énorme, donc je peux taper plusieurs. Oh, oui. Ah, ça change le statut. Oh, c'est intéressant, ça. Ça, c'est cool de pouvoir changer le statut. Ok, ça, c'est bien, par contre. Allez, combat terminé. T'es fort, hein. Eh bien, merci pour ce beau combat. Tu as réussi à Pokémon avec un talent incroyable. Hop. Évidemment, s'ils sont KO, pas d'XP. Super. Ah là, le multi-XP, il serait pas là, on serait tous morts. Hein. Quelle force incroyable. Laisse-moi remettre tes Pokémon. Yes, merci. Alors, je suis désolé. Hein. Autant d'habitude, on se plaint du multi-XP. Là, je suis content qu'il soit là. Hein. Je crois que je vais te laisser t'occuper du fragment de mur qu'on a volé à la Gena. Fragment de mur? Ouais, bah, je l'ai vu derrière, quoi. Mais oui, tu as bien entendu. Quelqu'un a dérobé un fragment de mur des ruines bon vivre. T'as déjà entendu parler des détrousseurs? Même la compagnie Ginkgo est parfois la cible de ces trois terribles sœurs voleuses. Oh, intéressant, tu m'intéresses là. Gana a parcouru la région pour récupérer son précieux morceau de mur, mais à 99 ans, elle commence à fatiguer. Alors, bientôt à la centaine, hein, mémé. On va peut-être passer l'arme à gauche. Oh, pauvre mamie. Qu'est-ce que t'en penses, la voyeur? Tu veux bien essayer de la retrouver pour elle? Tous les jours, comme ça, accepter que je tabasse son ours. Entendu, je te donnerai un coup de main après tout. Moi aussi, j'ai été dévalisé. De plus, je ne supporte pas ceux qui osent s'en prendre aux ruines. Maintenant que j'y pense, j'ai vu les restes d'un feu de camp à proximité du bivouac du marais. Ouais, peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil, tu crois pas? J'aime beaucoup Percupio. Ah, j'aime beaucoup Percupio. Oh, on va se faire plaisir hein, sur le farm d'XP. Hein. Alors là. Ok, bon, je me suis foiré. Hop. Toi, allez là-bas. Oh ta gueule. Bagarre. Toi, bagarre, tout de suite. Mais c'est quand que je vais pouvoir l'avoir, là, ma capacité niveau maximal? Oh, coup critique. Je pense que ça a joué. Allez, niveau supérieur, spécimen vaincu. Capacité maîtrisée. Qu'est-ce qu'il se fight? J'ai pas vu le Pokémon qui veut se fight. Y'a un truc dans l'arbre. Oh, un Shinity. Je le prends en fait. C'est l'XP gratos, un Shinity, hein, vraiment. Hein. Voilà, moi je dis hop, c'est vaincu. Tarbin. Les noix grumes, je prends. Ma graisse, mais c'est quoi? C'est des mobs qui sont dans les herbes, c'est obligé. Tiens, mais il me voit alors que je suis dans les herbes, lui. Allez, dans la bouche. On va voir si ça avait joué. Ah, si ça avait joué. Ouais. Attends, mais excuse-moi, frère, c'est quoi ce Vortank de malade? Il a à peine pris un mid-life. Ah, tu Vortank. Hop, ça s'est fait. Peu supérieur, ma gueule. J'essaie de fight tout ce qu'il y a dans la rangée pour XP un peu. Surtout que c'est principalement des poisons et là c'est des mix plantes et insectes, donc c'est assez facile pour moi de les tuer. Oh, hop, ça je. Ah, mais ils sont dans le sol! Ah, mais c'est un bug de texture! À niveau 24! Allez, on va partir sur du classique coup de feu. Presque un... Ah non, pas par un sport. Aïe. Bon, on espère que ça passe. Ça passe. Critique. Récupère insecte. Champi tout mou. C'est vrai que j'avais déjà la cure. Oh, les galets pour les plumes. Il y a un Pokémon là-dedans. Je peux pas y aller. Ah ok, il y a un feu de camp là. Je valide, il y a un feu de camp. Le reste du feu de camp, elle est pas masse. Ce sont les restes d'un feu de camp, quelqu'un est passé par ici. T'es mal à la texture, à l'aide. Qui va là? Clairement, c'est pas le hasard qui t'amène.
Ah bah les voilà les trois survoleuses. Il n'y a qu'une seule raison qui puisse expliquer ta présence ici. C'est nous que tu cherches, pas vrai? On devrait déjà se présenter, non? Qu'ils sachent au moins qui va lui faire boire de la poussière. Ouais, c'est la chef. Je suis Constance, l'aînée de notre trio. Mon symbole est le pain, car je suis la plus grande, comme... Et comme le feuillage de cet arbre, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Oh, modestie, frère. Je suis Garance, la canette. Moi, mon symbole, c'est le bambou. Plante de l'abondance qui flétrit jamais et qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles pousses. Et moi, c'est Hermance, je suis la Benjamine. Ma beauté est comme une fleur de prunier fragile qui brave la rudesse de l'hiver pour annoncer le printemps. Ouais, je vais faire un... je vais me taper un 1v3, frère. Nous sommes Constance, Garance et Hermance, les détrousseurs... Les détrousseurs qui sèment la chance. Ah non, alors je suis désolé, mais par contre, le jeu de mots est absolu. Laissez-moi faire, les filles. Je vais en faire qu'une bouchée. Je vais te massacrer, meuf. Allez, Quatox, arrose-le de ton poison. Ouh, par contre, Quatox, j'ai pas de poison. J'ai pas de capacité sol, ok. Là, il aura piqué son maïté. Quatox. Ok, là, on a du challenge. Là, il y a du challenge. Il fait son, il est à moitié mort. Ah, ça va, il est plus paralysé. C'est efficace. On va parier sur le fait que ce soit efficace. Mais pareil, c'est pas très efficace, c'est bien ce que je pensais. Moi, je l'ai fait alors. Choc venin, ça va faire mal. Oh sa mère. On va invoquer les autres. Hein, genre, hey, Ponita, vas-y. Allez, vas-y. Parce que tu sers à rien, donc autant que tu sers. Tu sers à quelque chose. Ah, mais il y avait des trucs des détrousseurs. J'aurais pu mettre en miniature. Oh, je suis con. Bout de feu, un classique, frère. Bah ça va en vrai. Voilà. On va juste partir sur du tabassage de gueule. Alors, je vais perdre un Pokémon là-dessus. On va finir avec les tourbol. Non, avec Mousseboué, tiens, j'ai envie. J'ai envie de finir avec Mousseboué. Je vais peut-être me les faire un par un. Enfin, une par une. Oh, damn. Aquajet. Style puissant. J'ai cru qu'il allait foirer. J'ai vaincu le Quatox. Combat terminé. J'aime pas perdre, mais je préfère encore ça que d'être aux ordres du groupe Galaxy. Oh, oh l'XP. Ah ouais, balèze. J'ai beau avoir quitté le groupe Galaxy, continue de me gâcher la vie. Prends-le, ton fragment de mur, et fiche le camp. C'est gratuit, ça. Comme il y a des choses écrites dessus, on s'est dit que ça pouvait être un trésor. Mais en fait, ça vaut pas un coup de ces efforts pour rien, quel gâchis. Mais dis-moi, pourquoi on a vite tu après nous? Pour aider la Guéna. Pour aider Oursa King. Est-ce que c'est le but, à la base? Tous ces efforts dans le seul but d'aider, comme c'est admirable. Mais vois-tu, on ne peut pas tous se payer le luxe d'être généreux. Certains essaient déjà de survivre. Et pour tout te dire, on a une dent contre le groupe Galaxy, et vu que t'en fais partie, on ne tient pas en haute estime. D'ailleurs, cela me rappelle cet ancien poème. Dans la douce lumière du ciel printanier, pourquoi les pétales s'éparpillent-ils inquiets? J'ai rien compris. Mais ok les meufs. Signe Martial, retournez en ruine. C'était rapide, hein. On part à l'aventure. On part sur un cassage de gueule, uniformisation. Bonjour, c'est la bagarre. Comment ça, j'ai pas assez? Rien à péter, roue de feu, ça part sur un one shot. Ou critique. Allez! Kali, moi je dis. Avec des spécimens avec. Ah oh, bah! Comme ça, je vais augmenter mon truc. Hop! Fiche Pokédex qui va s'augmenter. Bien parce qu'on peut augmenter la fiche Pokédex, mais aussi en juste en tapant les Pokémon. Hop. Et c'est assez. C'est bon, je peux les one shot normal. Hop. Et maintenant, ah. DB, je le prends.
Les petites baies orange là, je prends plus lourd moi. Let's go! Et Percupio mon pote, je suis là. Je suis de retour. Ah merde, j'ai pas remis ma cam. Tu as réussi à récupérer le fragment de mur? Beau travail! Je connais bien la passion de la Géna, on dit qu'elle était su et vieux jeu, mais. Il ne faut pas oublier qu'elle a toujours vécu à Issui. Et qu'elle a donné de sa personne pour servir le clan Perle guidé par sa foi et en le grand Sino. Au fond, c'est pas tant qu'elle déteste le clan Diamant, le groupe Galaxy, c'est surtout qu'elle aime le clan Perle par-dessus tout. J'espère sincèrement que tu arriveras à apaiser Ursa King, Alfragor. Ce n'est pas bon pour nos affaires de savoir qu'il y a des Pokémon enragés dans la région. Oui, il y a un fragment du mur à la Géna. Hé, mamie! J'ai ton mur! Casti. Tiens, t'es encore là, toi! Tu peux venir me voir 100 fois, je changerai pas d'avis. Comment? Tu as retrouvé le fragment de mur? Tu as vraiment tout fait tout ça pour une parfaite inconnue? Tu as à ce point envie d'apaiser Ursa King? Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que moi se préoccupait autant d'Ursa King. Bien, laisse-moi remplacer ce fragment de mur. On ne devrait pas plutôt le faire pour éviter que mamie se casse le dos? Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Oh, sans Arbi, non! Oh, j'ai la flemme de traduire. Gauche. Gauche, non? Non, c'est pas gauche. Deux, nord. Oh, j'ai la flemme de traduire. Oh, j'ai la flemme. Non, j'ai la flemme. Non, j'ai la flemme. C'est bon, j'ai la flemme, frère. Ah bah, super, elle me le traduit pour moi. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant. À d'autres vies. Je vois. J'ai eu cette inscription maintes fois sans savoir le sens et j'ai fini par presque les oublier. Mais grâce à toi, je pense les avoir enfin comprises. C'est ce qu'il y a d'écrit. Dis, illustre bien que sans ton aide, je n'aurais jamais réussi à construire ce mur. Est-ce là l'un des enseignements du roi Sino? Dis-moi, comment t'appelles-tu? Je vois bien. Alfragor, veux-tu m'aider à apaiser Ursa King? Il est certes très énervé, mais pas au point de devenir complètement enragé. Je crois que si on lui donne le remède approprié, il pourrait retrouver ses esprits. Mes principes m'interdisent de laisser mon Pokémon se battre, mais j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Ursa King aime se rendre sur le plateau tourbeux. Quand tu seras prêt, rejoins-moi là-bas. Ça va partir sur une fin d'épisode, hein. Et ouais, ça va partir sur une fin d'épisode. On a bien... On a mis du temps avant de venir ici, mais je pense qu'on a bien avancé. Donc on va s'arrêter là. Je ferais peut-être un peu de pex en off dans les zones qu'on a déjà fait pour compléter un peu le Pokédex, pour pas qu'on soit trop à la bourre à devoir faire du pexing dans les épisodes. Et quand je reprendrai les lives, on fera ça en live. Bon bah c'était tout, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, tout ça. Hein. Le bouton s'abonner, le commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Alfragor, j'espère que vous portez bien et j'espère que le jeu vous fait kiffer. Moi il me fait totalement kiffer ce jeu. Les détrousseurs, je suis sûr on va les revoir encore un certain temps. Donc en tout cas, c'était Alfragor sur ce deux gros bisous et Jean, et sur ce, bye bye, à la prochaine.